Face aux bêtisiers de TF1, France 2 propose ce dimanche 31 décembre 2023 une grande soirée en direct présentée par Stéphane Bern pour célébrer le passage à 2024, année olympique. Une cinquantaine d'artistes seront de la partie. France 2 met les petits plats dans les grands pour fêter le passage à l'année 2024. Dimanche 31 décembre, à partir de 21h10, pour la première fois en 24 ans, la chaîne du service public proposera une soirée du réveillon en direct, menée par Stéphane Bern et par les principaux visages de France Télévisions. Le groupe audiovisuel entend en effet marquer le coup pour le début de cette année qui sera placé sous le signe des Jeux Olympiques et Paralympiques et dont il sera le diffuseur exclusif en clair l'été prochain. Coproduite par Electron Libre Productions, cette grande soirée du 31 de Paris sera organisée depuis les Champs-Élysées. L'animateur surplombera le foule sur la terrasse Publici où sera installé son plateau. En bas, près de l'Arc de Triomphe, le public pourra côtoyer le duo formé par Laurie Tillman et Laurent Luyat, qui encadreront plusieurs performances telles qu'un karaoké, une ola géante ou encore une danse collective. Non loin, on pourra aussi compter sur la présence de Maya Loké et de Mohamed Bouafsi. Tous deux iront à la rencontre de la foule. Soirée du 31 décembre en direct sur France 2, qui sont les artistes invités? Au cours de cette grande soirée événement, une cinquantaine d'artistes sont attendus, dont la moitié se produiront en direct depuis des lieux parisiens emblématiques. L'occasion de voir et d'entendre, entre autres, Grand Corps Malade, Chimène Badi, Pierre Demar, Zoé Closure, gagnante de l'Eurovision Junior, Vita, ou encore Patrick Bruel, Santa, Icar, Patrick Hernandez, Chico et les Gypsy, Nuit Incolore, Soul King et Gazo. Des performances qui seront tour à tour introduites par Olivier Mine, Marie Portalano, Jean-Luc Lemoine, Aurélie Casse, Bruno Guillon et Julia Vignali. La direction artistique de cette soirée a été confiée à Kamel Wally, l'emblématique ancien professeur de danse de la Star Academy. La grande soirée du 31 de Paris, Slimane chantera en direct sur France 2 avant le passage à la nouvelle année, Slimane chantera en direct le futur titre qu'il défendra lors de l'Eurovision en 2024, Mon Amour. À partir de 23h30, France 2 retransmettra le spectacle de mapping sur l'Arc de Triomphe qui retracera 100 ans de sport à Paris depuis les Jeux Olympiques de 1924. Puis, l'année 2024 débutera par un feu d'artifice d'une dizaine de minutes aux couleurs des Jeux. Un spectacle dont France 2 a acquis l'exclusivité alors qu'il était habituellement proposé sur BFM TV. 31 décembre, une émission d'Access présentée en direct par Stéphane Bern sur France 2 a noté enfin qu'avant ce prime time, Stéphane Bern prendra l'antenne à 18h45 pour une émission en direct intitulée En route pour 2024. Il recevra plusieurs personnalités du monde de la culture et du sport, avec notamment Gilles Alma, Dominique Besnéard et Nastasia du Paradis Latin, Abdel Alaoui, Michel Siemes, Brahim Asloum accompagné de Laurent Luyat, Michel Drucker. Tears.